Bienvenue au nouveau musée du Verre, dernier espace du site Verrier à rouvrir ses portes, mais c'est aussi le premier proposé aux visiteurs dans le nouveau parcours de visite. L'entrée se fait désormais par la cave, un espace qui aujourd'hui accueille la projection d'un film retraçant l'histoire du site Verrier. Le niveau 1, par lequel on entrait autrefois dans le bâtiment, est réservé à l'administration. Direction le troisième étage, sous la toiture, avec deux nouvelles salles. La première reprend les éléments de l'ancienne muséographie. On y découvre le travail du verre, de sa composition au produit fini. La partie rouge représente le travail du chaud, la partie noire, le froid. L'espace d'exposition temporaire vous invite pour toute la saison à revenir sur les 4 ans de travaux du site. Niveau 2, c'est ici que se trouvait l'ancienne salle Art Nouveau. On y aborde toujours l'histoire d'Émile Gallet et des autres artistes de Meisenthal, mais avec plus de modernité et de lumière. En venant ici, c'est vrai, de tôt ce matin, avec cette lumière rasante, on est assez frappé par la luminosité du site. Et je pense que c'est en partie grâce à cette surface ondulante que l'on a créée sur le site, qui est de teinte assez claire, un béton assez clair, et qui réfléchit beaucoup la lumière. Le musée fait aussi une place au travail contemporain du CIAV et une nouvelle salle propose de découvrir le verre et le cristal qui a été ou qui est encore produit dans la région, du Pays de Bitche à Baccara. D'ailleurs dans la salle on peut voir, il y a des objets de différentes natures, différentes époques et c'est vraiment, voilà, ça met vraiment en valeur les savoir-faire de notre territoire. C'était extrêmement important dans le projet du musée. Le parcours de visite se poursuit enfin par une passerelle qui donne directement au CIAV puis à la halle verrière. Ce qui est édifiant sur le nouveau parcours de visite tel qu'il a été conçu au bout de 4 ans de travaux, c'est cette espèce de coursive, ce parcours qui traverse les âges, les époques, les bâtiments, pour nous rappeler un peu d'où on vient, l'histoire de ces verriers qu'on essaye d'honorer aujourd'hui et surtout l'histoire qu'on essaie de continuer à écrire tous ensemble. Moderne, lumineux, accueillant, le musée du Verre a fait peau neuve. Le grand chantier de Meisenthal est ainsi terminé et l'histoire continue.